Comment on aborde un concert au QI? Alors c'est toujours un petit peu impressionnant, on n'a pas toujours l'habitude de jouer dans des scènes aussi remplies, mais c'est toujours une super expérience. Pour quelqu'un du classique, c'est pas tous les jours, je pense. Mais ce projet, comme il mélange justement plusieurs esthétiques, classique, jazz, arabe, et que c'est des compositions, donc des créations, tout est un peu à faire. On apprend beaucoup dans la rencontre entre justement ces différentes esthétiques. Je pense que pour les compositeurs et arrangeurs de ce projet, ça a été hyper intéressant parce que ça les amène à travailler avec des instruments et des timbres qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc ça, dans l'écriture, c'est un super apport. Première rencontre, c'était en octobre, c'était avec un projet des enfants de l'école. C'était un projet sur une personnalité, Sidi Bet. Ce projet-là, on a travaillé fusion entre la musique arabe, la musique occidentale, un peu de jazz. Alors l'idée, c'était très bien passé avec un narrateur et tout ça. Des gens du Festival de Cully, ils ont assisté, ils ont aimé, ils ont proposé aussi, pourquoi non, de ne pas avoir un projet avec l'école, puisque les musiciens sont pros, pourquoi ne pas faire en sorte qu'on puisse donner un concert de jazz. En parlant des étudiants, ce sont des gens talentueux. Ben, on est plus qu'on travaille avec les étudiants, c'est des pros. Et en plus, que le plus joli dans l'histoire, c'est qu'on a devant nous de leurs compositions. On voit une naissance. Une essence des compositeurs de jazz avec un petit peu de piment de la musique arabe. Ça va nous donner des perspectives, des choses vraiment positives, quoi. En Europe, on a bien du retard au niveau du rythme quand on les entend jouer, surtout le percussionniste, Kamel, c'est impressionnant rythmiquement. Et puis Nabil au violon qui manie à la perfection tout ce qui est quart de ton, etc. Donc en Europe, on a 12 notes dans une gamme et puis on joue en 4 temps et eux, c'est l'exact opposé. Pour moi, c'est une nouvelle expérience. Il y a des difficultés, mais ce n'est pas facile. Mais pourtant, nous essayons. En espérant que ce sera, Inch'Allah, votre bon travail.